Bonjour mes petits musiciens, bienvenue dans cette vidéo où vous me voyez entourée de peluches. C'est un nouveau décor car je vais vous parler du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Alors d'habitude nous le faisons en cours ensemble, mais comme je ne vous vois pas parce que nous sommes confinés, j'ai monté des vidéos, plusieurs, qui vont correspondre à chaque animal. L'éléphant, les poissons, l'aquarium notamment, le kangourou, ensuite il va y avoir les ânes, vous voyez ici bourriquet, il y a trop aussi, voilà, ça sera la vidéo sur les ânes, et il y aura aussi les tortues et la volière, mais je n'ai pas d'oiseaux, donc on les imagine. Il n'y aura pas le lion parce que le lion est trop compliqué à mettre en place au niveau du graphisme. Alors je vous explique comment j'ai fonctionné. Vous allez devoir suivre la musique à l'aide d'un graphisme que j'ai écrit qui représente la musique, tout simplement. En premier, nous allons écouter l'éléphant. Alors l'éléphant, c'est l'animal le plus gros de la savane, donc il va être représenté par l'instrument le plus gros de l'orchestre, c'est-à-dire la contrebasse. Elle sera accompagnée du piano. Et dans le graphisme, vous devrez suivre la contrebasse. Attention, vous êtes prêts? C'est parti! Graphisme de l'éléphant. J'espère que vous y arriverez vous aussi. Je vous conseille de vous entraîner à d'abord regarder la vidéo et de voir mes gestes suivre la musique pour ensuite essayer d'y arriver. À la fin de cette vidéo, je vais mettre la photo du graphisme pour que vous puissiez faire une capture d'écran pour que vous puissiez la voir à la maison, la recopier ou l'imprimer. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous y arriverez tous. Donnez-moi de vos nouvelles pour savoir si ça marche. À bientôt pour le kangourou !